directeur du Musée des Beaux-Arts de Libourne, docteur en histoire de l'art. Il délivre notamment des cours à l'Université Bordeaux 3. Il a été commissaire de nombreuses expositions, dont Désir d'Orient de Delacroix à Defy, Camille Henrot, Le Nouveau Monde au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Il a collaboré plusieurs fois avec Claire Jacquet, directrice du FRAC Aquitaine, en proposant notamment En Regard en 2010 et actuellement Entre ciel et terre à la chapelle du Carmel. Donc je lui laisse la parole. Merci Elisabeth. Je voudrais juste vous faire lever la tête et remercier les élus du Conseil régional qui, dans la nuit, ont réalisé un plafond parfaitement circulaire, orné de motifs des octogones qui rappellent vaguement le carré. Donc merci vraiment. C'est une attention qui nous touche. Alors, un peu plus sérieusement, Entre ciel et terre, je vais me mettre debout. Voilà. Je ne vous cache pas que lorsque monsieur le maire, donc je parle du maire de Libourne, m'a annoncé, donc il y a à peu près un an et demi maintenant, que Libourne serait la ville étape pour l'Aquitaine qui recevrait donc le centre Pompidou Mobile, en tant que conservateur de musée, je sautais comme un lapin. De joie, bien entendu, et en même temps, évidemment, j'avais quelques angoisses, quelques réticences, mais d'emblée, il m'a paru nécessaire qu'en tant que, justement, directeur du musée, je puisse proposer une exposition, on va dire en regard, de l'accrochage proposé donc par le centre Pompidou Mobile. Pour diverses raisons, bon, on va être tout à fait honnête, c'est vrai que, évidemment, en tant que provincial, on se dit, tiens, c'est Paris qui vient nous voir. Et il vient un peu chez les Plouques pour poser bah, vraiment l'art réel, concret. Et on a été piqué au vif, hein, ça c'est très clair. Pourquoi ? Bah, parce que les terres aquitaines ne sont pas les terres, par exemple, non, je ne donnerai pas d'exemple, mais les étapes précédentes, et notamment une, étaient vraiment dans des champs de betteraves. Et là, il n'y avait, voilà, il y avait pas vraiment de présence... d'activité autour de l'art et de l'art, disons, moderne et contemporain. Ici, évidemment, avec le CAPC à Bordeaux, l'action date de longtemps et il y a eu un énorme travail fait, et j'en parle puisque moi-même j'ai travaillé pendant peu de temps, mais tout de même au CAPC, une action énorme envers des publics non initiés, et particulièrement le public scolaire. Nous tous, au quotidien, dans nos musées, alors modestement évidemment, mais nous travaillons à cela. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous nous retrouvons, bien entendu, puisque Beaubourg travaille aussi au quotidien à cet échange avec un public, et toujours un public nouveau. C'est notre souci, évidemment. Alors, donc, cette petite aiguillon m'a mené donc à penser à une exposition qui viendrait non pas répondre, mais s'accorder avec la proposition de Beaubourg. Depuis quelques mois, déjà, j'avais le souhait de faire un partenariat avec le FRAC Aquitaine. Comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, le FRAC, j'ai déjà travaillé avec. Et puis là aussi, leur action permanente pour irriguer toute l'Aquitaine n'est plus à démontrer. Et je voulais donc un projet. La présence du centre Pompidou Mobile nous a obligés à travailler un peu plus vite que prévu. Et nous avons souhaité, parce que Jean-Paul Ameline a travaillé assez rapidement, et donc nous connaissions la thématique qu'il avait retenue, donc cercles et carrés, et nous avons donc pu nous appuyer sur son propre projet pour proposer notre projet en repartant donc du cercle et du carré. Moi, en sortant des réserves ou des simèses des œuvres anciennes, des vieilleries, et Claire Jacquet, assistée de Karen Tanguy, qui est la chargée de la collection, eh bien, présentant des œuvres très contemporaines, disons. Et de cette façon, il nous semblait assez pertinent de proposer un parcours au public, un parcours dans la chronologie. Donc en partant, parce que l'œuvre la plus ancienne, c'est comme ça, elle date du XIVe siècle, et en allant donc jusqu'au XXIe siècle, avec même une œuvre créée in situ sur les simèses de la chapelle du Carmel. Donc évidemment, c'était un excellent moyen de proposer ce parcours. Et puis, Libourne, c'est quand même à 30-40 km de Bordeaux,
Mais l'Aquitaine est une très grande région, et nous savions que beaucoup de personnes allaient se déplacer à Libourne. Et donc, il était aussi très important que ces gens puissent se fixer au moins une journée sur la ville et puissent bénéficier d'un véritable parcours culturel, passant bien entendu par l'étape numéro 1, le Centre Pompidou Mobile, mais aussi par l'exposition présentée au Carmel et par des films que Jean-Paul a choisis dans la bibliothèque Kandinsky et qui sont projetés à la médiathèque de Libourne. Et donc, effectivement, c'était un moyen tout à fait intéressant, nous semblait-il, de proposer ce parcours à un large public. Alors, le Centre Pompidou Mobile, et vous l'avez bien indiqué, a pour destination première, de s'adresser à un public de non-initiés. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Donc, toute la médiation, elle est faite en très grande partie pour ce public-là. Or, bien entendu, et parce que nous avons une pratique des institutions culturelles, nous savons très bien qu'il est impossible d'empêcher les gens qui ont une pratique culturelle de venir attirer, comme des lucioles, par évidemment le label Pompidou. Et donc, il fallait aussi pouvoir proposer un projet qui présente aussi plus de 15 œuvres, même si, et c'est vrai que c'est fantastique, je suis encore allé hier, donc j'y vais très très régulièrement, bien sûr, mais c'est un vrai bonheur de voir ces 15 œuvres majeures de l'histoire de l'art et qui sont là à Libourne. C'est une chance, une opportunité extraordinaire, ça c'est très très évident. Alors notre projet, repartant du cercle et du carré, nous l'avons donc appelé « Entre ciel et terre » parce que nous avons souhaité aller sur les terres de la symbolique, donc travailler sur la symbolique que, depuis des millénaires, les hommes ont attribuée à chacune de ces deux figures géométriques. Vous le savez, ce sont des évidences. Le carré étant donc quelque chose qui a des angles et qui est donc plutôt symbole de la construction, du solide, du concret, de l'architecture, de l'humain. Et le cercle, par sa forme, qui n'a ni début ni fin, évoque plutôt l'aspect immatériel, les sphères célestes, la divinité ou les divinités. Et donc tout notre discours va se construire sur cette symbolique, cette double symbolique. Et évidemment, nous étions aidés en cela par l'architecture même de notre salle d'exposition, qui est une ancienne chapelle, la chapelle du Carmel, qui est construite elle-même, dont le plan est construit sur ces deux figures. La nef étant de forme carrée, et oui, elle n'est pas rectangulaire, elle est carrée. Et évidemment, plus on va dans le fond de la chapelle, plus on arrive au cercle avec l'abside qui est tout à fait de forme circulaire. Et donc, notre construction d'exposition se fait aussi à partir de cette architecture. Et donc, le public entre et on lui propose plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et de l'architecturé, pour l'emmener lentement vers des sphères donc beaucoup plus intellectuelles, j'allais dire plus dans le ciel. Nous allons toucher aux divinités païennes ou chrétiennes. Et puis, après on repart tranquillement, enfin on espère ramener les gens sur terre et les faire ressortir pour qu'ils puissent aller ensuite donc ailleurs, dans d'autres endroits de ce parcours culturel que nous proposons. Je vous ai mis l'affiche de l'exposition qui présente finalement le principe de cette juxtaposition, un peu systématique c'est vrai, d'une œuvre ancienne et d'une œuvre contemporaine. Alors ça peut-être paraître un peu mode, en même temps en cherchant bien il n'y a pas tant d'exemples que cela, mais moi je trouve que c'est extrêmement didactique, extrêmement pédagogique. Je vais être encore une fois très, très honnête. C'est un moyen pour moi de forcer mon public un peu habituel. Vous savez qu'en France, nous faisons des statistiques très régulières, annuelles, sur la sociologie des publics.
Et même si ça évolue un tout petit peu, eh bien, nous avons, je dis nous, gens de musée, nous avons notre public. Alors, les muséums, c'est plutôt public familial. Musée d'art contemporain, c'est plutôt la jeunesse, c'est vous, les étudiants. Les musées de beaux-arts, c'est plutôt la ménagère de 50 ans. Alors évidemment, ça évolue, hein. Je caricature énormément, mais tout de même, cette sociologie est assez, assez marquée et ça nous colle aux chaussures. Voilà. Alors, nos actions, évidemment, font que nous tentons de renouveler nos publics et je pense que juxtaposer de l'art contemporain à de l'art patrimonial, ben, c'est aussi un excellent moyen, voilà, de provoquer le public. Mon public habituel, je l'oblige à regarder de l'art contemporain et à se dire que finalement, bah, c'est pas si mal que ça. Et puis, un public qui aurait, en revanche, plutôt une attitude de rejet par rapport à l'art ancien, eh bien, je lui montre combien, finalement, depuis fort longtemps, les artistes ont réfléchi à cette problématique de la géométrie et comment, effectivement, il peut naître un dialogue, mais d'une pertinence incroyable, c'est aussi extrêmement poétique, comment on peut parvenir à passer de l'un à l'autre et parfois donc avec des évidences vraiment énormes. Mais l'exposition, elle peut se lire aussi, il y a différentes grilles de lecture en fonction de la culture de chacun des visiteurs. Et donc ici, je vous remontrerai des images meilleures, tout à l'heure nous juxtaposons donc une Vierge à l'enfant médiévale, bien entendu en bas, à l'été, cette magnifique capeline de Véronique Agencins qui date de l'année dernière. Hein, voilà, et on reparlera de tout ça tout à l'heure. Alors, je vous parlais d'un peu la peur hein, de proposer un projet, parce que bah, là, nous ne sommes pas tout à fait sur le même terrain par rapport au Musée national d'art moderne. Moi, je vous montre le musée, le bal, Beaux-Arts Libourne, hein, c'est un peu facile. C'est un musée, nous sommes en tout et pour tout 5. Hein. Donc, faire des projets d'exposition temporaire, c'est toujours un challenge, parce que l'équipe est très, très, très modeste. Et malgré tout, eh bien, nous n'avons pas eu vraiment d'angoisse et nous sommes allés dans le projet pour accompagner la présence du Centre Pompidou Mobile. Petite vision du musée, je vous engage à y venir, c'est entièrement gratuit. Alors, il faut juste monter des escaliers, c'est au second étage de l'hôtel de ville de Libourne. Très belle collection. Le musée fêtera bientôt ses 200 ans d'existence. Et le créateur de ce musée, c'est celui dont on voit le buste à gauche, le duc de Caze, et qui fut ministre de Louis XVIII, et qui est allé puiser au Muséum central des arts, l'actuel Louvre, des œuvres majeures. Vous avez notamment le Manfredi, le Christ chassant les marchands du temple, qui est le chef-d'œuvre absolu de Libourne. Hein. C'est un des deux Manfredi qui se trouve sur le sol français. En fait, il n'y est plus parce que je l'ai prêté à Los Angeles. Donc, voilà. La chapelle du Carmel, qui date de 1840. Voilà, elle n'est plus en activité. Les carmélites ont quitté le lieu dans les années 70, faute de vocation et vieillissement de la population. Donc elles sont allées rejoindre leurs camarades de Condon, dans le Gers, libérant ainsi un espace extrêmement vaste dans la ville. La chapelle jouxte le lycée, qui est un des plus grands lycées du coin, donc plus de 1800 élèves. Hein, donc ça me fait aussi une population jeune que j'attire au Carmel avec de l'art contemporain. Voilà, on entre donc dans le propos. C'est l'entrée véritablement, c'est le narthex. Vous savez que le narthex, c'est donc la partie antérieure de l'église, là où les catéchumènes devaient rester, là où ceux qui n'étaient pas encore totalement baptisés devaient stationner, et autres énergumènes. Donc vous voyez le propos avec cette œuvre qui est une copie de Ingres, la source, par Battenchon, c'est un Libournais, c'est une copie d'époque, hein, autour de 1860, qui vous présente cette jeune femme qui est une allégorie finalement, elle porte sur l'épaule une jarre d'où sort de l'eau. Donc c'est voilà, la source,
représentation assez classique, assez traditionnelle. Et Ingres, c'est donc le chef de file des néoclassiques après la disparition de David. Donc néoclassique, inspiration gréco-latine, effectivement, c'est une sculpture, et elle est de marbre. Alors ça, oui, c'est quand on regarde un peu rapidement. Mais si on se rapproche, tiens, c'est déjà plus complexe que cela. Et effectivement, cette adolescente post-pubère, sa poitrine est formée, ses hanches commencent à s'arrondir, et c'est d'une sensualité tout à fait extraordinaire. Elle a une petite bouche entrouverte, deux petites dents blanches qui apparaissent. Je n'en dis pas plus, c'est un peu tôt le matin. Mais effectivement, c'est toute l'ambiguïté et aussi tout ce qui fait le charme de Ingres, bien entendu. Hein. C'est à la fois, on croit qu'on est dans le monde de la sculpture gréco-romaine, ou en tout cas de l'inspiration, et c'est bien plus que ça, c'est autre chose, plus formidable. Et puis nous avons juxtaposé cette image un peu idéale de la femme, mais tout de même très sensuelle, à cette grande photographie d'Helmut Newton, et qui représente la bodybuildeuse, pas très beau comme mot, Lisa Lyon, qui a été l'égérie de nombreux photographes américains, et Newton n'y a pas manqué. Elle est représentée ici dans sa salle personnelle de gymnastique. Elle est en pleine élongation, suspendue à un trapèze, et ce qui est assez beau et assez symbolique, c'est qu'on ne voit pas véritablement son visage. Elle a la tête rejetée en arrière, mais le regard part, se perd dans la fenêtre que vous avez en haut. Et donc, à la fois un corps très concret de femme, mais déjà la tête dans les étoiles. Ce sera tout le propos de l'exposition. Je vais y arriver. Alors ici, l'image est un peu... peut-être un peu flou, non pas vraiment flou, mais il y a beaucoup de choses. Donc au centre, ce sont deux photographies tirées de la collection du musée. Ce sont des cheminées de Cadillac, du château de Cadillac en Gironde, château des ducs d'Épernon, et ça date de 1900 à peu près. Et donc la construction, l'architecture, la forme, extrêmement carré, avec des marbres polychromes, mais évidemment ici c'est en noir et blanc. Et puis sur les côtés, des œuvres de la collection du FRAC. Alors évidemment dans l'exposition il y a beaucoup de photographies, mais parce que ça témoigne aussi de l'identité de la collection du FRAC Aquitaine. C'est probablement une des plus belles collections de photographies de la fin du XXe siècle et du XXIe. Donc évidemment quand on va puiser dans les collections, l'identité de la collection elle apparaît. De même que les œuvres choisies par le musée représentent beaucoup le corps de la femme, mais parce que ça fait partie aussi de l'identité de la collection. Quand je suis arrivé en janvier 2010, en allant gratouiller un peu dans les réserves, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fond, effectivement, je ne voyais apparaître que des visages de femmes, que des corps de femmes, et c'est assez étrange. Mais voilà, ça fait partie de l'orientation donnée par le temps à la collection, c'est parfois les hasards. Alors, sur le côté droit, deux œuvres qui sont italiennes, du XVIIIe siècle, que je viens de faire restaurer, c'est ce qu'on appelle des fabriques. Alors, je crois que j'ai une meilleure photo, on va y arriver. Désolé. Donc, des fabriques qui sont des recompositions, des reconstitutions de paysages à partir de ruines, soit réelle, soit totalement fictive. C'est une invention architecturale de l'artiste. Alors ça se développe dès le XVIIe siècle, ça se propage dans tout le XVIIIe siècle, et on va retrouver ça aussi dans l'art des jardins, hein, les fameux jardins à l'anglaise, avec ces folies, ces petits édicules qui ponctuent les jardins, les pelouses, et qui sont souvent des petits édifices représentant, alors je ne sais pas moi, des pyramides, des temples gréco-romains, etc. Enfin, vous avez ça probablement en tête. Et c'est juxtaposé à une photo qu'on ne voit pas très bien sur la droite de la collection du FRAC de Luigi Ghiri, qui est un Italien,
qui a beaucoup travaillé sur la photographie de l'architecture. Il est de Modène, donc dans le nord de l'Italie, et sa ville lui sert de modèle. Et il se trouve que beaucoup de murs sont peints à Modène, hein, bon, dans beaucoup de villes d'Italie, vous allez me dire. Et effectivement, cette photographie, elle va jouer sur le trompe-l'œil. C'est une architecture d'inspiration antique, avec des arcs, avec des colonnes, mais c'est du faux, c'est du trompe-l'œil, c'est de la deux dimensions. Et Guiri va jouer avec deux petites chaises en bois qui ont l'air de rien, et qui sont à l'avant, et qui, elles, sont bel et bien réelles. Et donc, il nous fait douter de la véracité des objets. Et ouais, c'est toujours très, très, très intéressant de s'amuser à cela. Très grande photographie de Thomas Ruf, artiste allemand, de Düsseldorf, et qui a beaucoup travaillé sur, là aussi, la photographie de l'architecture, alors sur des formats assez spectaculaires. Et ici, le doute nous étreint. C'est une architecture pauvre, assez sordide, d'après-guerre. L'Allemagne a évidemment été bombardée pendant la guerre, et il a fallu, à la fin de la guerre, reconstruire, et ma foi, plutôt vite, et dans une architecture qui coûte le moins cher possible, donc très rationnelle. Et vous avez ici donc ces blocs hein, qui, par dizaines, recouvrent des pelouses. Bien sûr, l'artiste fait exprès de ne pas nous montrer d'arbres. Donc, c'est vraiment des objets posés et comme ça sur des pelouses. C'est assez, ça pourrait paraître sinistre. Une régularité de métronome dans la présentation des fenêtres. Hein, tout ça est d'une régularité effrayante. Mais dans cet univers impitoyable et un peu froid, l'humanité reprend le dessus. Et comment ? Eh bien, par la présence des rideaux. Chaque famille, alors qu'elle est dans une cellule identique à la cellule voisine, chaque famille va individualiser son appartement en choisissant eh bien, la liberté, c'est-à-dire de sortir des rideaux voilà, qu'elle décide, que chaque famille décide d'installer. Alors, un peu d'espoir, un renaît de cette architecture un petit peu austère, c'est le moins que l'on puisse dire. Au centre de l'abside, donc cet objet, cet architectone dont parlait tout à l'heure... Merci Jean-Paul. C'est l'émotion. Donc, inspiré de Malevitch. C'est une pièce assez étrange de Karina Bisch de 2007 qui nous amène sur des terres qui sont à la fois celles de l'architecture. On pourrait penser qu'il s'agit d'une maquette d'architecture, mais aussi de design et bien sûr de sculpture, puisque cet objet est posé sur un socle extrêmement imposant. Et tout ça est blanc. Le socle est en bois peint. Et l'objet est en plâtre. Donc là aussi, une matière extrêmement sensuelle, très belle. Et on a vu que Casimir Malevitch a employé cette matière dès le début du XXe siècle. Et Karina Bisch va repartir effectivement d'un objet créé par Malevitch. Malevitch, qu'on connaît plutôt donc, comme l'inventeur du suprématisme, et qui non seulement a fait de la peinture, on en a vu des exemples tout à l'heure, mais aussi effectivement quelques projets d'architecture et du design. Il a réalisé donc une teapote, une théière. Malheureusement, cet objet a disparu et nous ne connaissons de la teapote que deux photographies. Évidemment, le photographe a choisi des angles particuliers de l'objet et nous n'avons pas véritablement idée de la 3D. Comment était en réalité cet objet, puisque nous n'avons pour les photographies qu'une face et un profil. Et Karina Bisch va repartir de ses photographies et donc va faire acte de création en interprétant, en cherchant comment pouvait être l'objet. Il n'est pas certain évidemment que ce à quoi elle est parvenue corresponde exactement à ce qu'était la teapote de Malevitch,
mais c'est vraiment une démarche tout à fait passionnante. Et vous voyez, là aussi, on est dans le sujet. C'est moi ce qui m'importe. C'est comment des artistes d'aujourd'hui peuvent repartir du passé, peuvent regarder le passé sans peur, sans angoisse, sans paraître d'arrière-garde. Bien au contraire, et vous le savez, les artistes d'aujourd'hui sont des gens extrêmement cultivés. Ils ont une parfaite connaissance de l'art ancien, soit pour repartir de ce qui a été fait avant, et pourquoi s'en priver, ou alors pour critiquer, etc. Enfin, voilà. Il y a un jeu là qui est absolument passionnant et qu'on veut montrer, démontrer en permanence. Et alors, faisant face à cet objet, bon, de manière un peu littérale et un peu simple, c'est vrai, ce tableau impressionniste à l'arrière, réalisé par une Libournaise du début du XXe siècle, Louise Brieux, c'est une nature morte, on va dire, une petite cour intérieure. Vous voyez, c'est très solaire, c'est magnifique. Les petites capucines qui montent le long du mur et la table ronde est mise. Donc une nappe, des objets, une jatte avec des fruits, là aussi ronds, des agrumes et donc une teapot, une théière, deux tasses, un sucrier, un pot à lait. Voilà. La présence humaine, ben, il n'y en a pas, sauf qu'elle est évoquée, là aussi, par la cuillère qui se trouve dans une des tasses. Et donc le thé a probablement été pris par deux personnes, puisqu'il y a deux tasses. Et vous voyez comment... Et évidemment, c'est ça qui est intéressant. Comment, à partir d'un tableau, on peut être amené à se faire une histoire. Et c'est fait pour ça aussi. On peut tout à fait divaguer et chercher à se raconter des histoires. On en a le droit et même peut-être le devoir. À côté des très, très belles photographies du milieu, du début même, et du milieu du XXe siècle, de la collection du FRAC, et qui sont des représentations d'objets, des natures mortes, là aussi, une cuillère, une table, un guéridon renversé, évidemment il n'y a plus qu'un cercle, et un verre à biseau à travers lequel on peut apercevoir une tranche de pain et un œuf dur. Et c'est, bien sûr c'est rien, mais c'est magnifique, il y a le jeu de la lumière, et donc le noir et blanc qui donne quelque chose de tout à fait superbe. Donc c'est toujours la teapot et vous voyez donc Karina Biche est allée très fort, mais évidemment du coup l'objet, même réalisé en petit et en vrai, si je puis dire, ne permettrait pas de servir le thé. C'est tellement complexe, on ne sait pas très bien comment ça fonctionnerait, mais elle est vraiment repartie, voilà, des photographies de l'objet créé par Malevitch. Pourquoi je peux... Donc vous retrouvez la photo de Thomas Roof, donc cette architecture extrêmement, presque totalitaire. Et à côté, sur la droite, une œuvre de Richard Lang. Jean-Paul en parlait de Richard Lang tout à l'heure. Alors Richard Lang donc, qui appartient au Land Art, donc c'est quelqu'un qui a besoin de la nature, qui marche, qui impose, imprime son corps dans la nature. Et effectivement, soit il ramasse des choses de la nature, des pierres, du bois, pour constituer une œuvre, généralement à l'endroit où il se trouve, soit, comme ici, quelque chose de très poétique aussi, qui est plutôt de l'ordre du mot, du poème, du graphisme aussi. Il est parti pendant 2 jours et demi dans les Highlands, en Écosse, et il fait donc une pérégrination. Une sorte de randonnée qui le fait partir d'un point A pour revenir sur le même point. Et il va nous raconter finalement cette marche sous la forme d'un cercle formé par des mots en gaélique, qui sont des mots qui évoquent les paysages qu'il a traversés, les lieux dits, ou alors des choses qu'il a vues. Alors par exemple, la brume, je ne sais pas, au petit matin, une chouette ululant le soir, etc. Et vous voyez, donc, il nous amène avec lui
à travers le paysage qu'il a arpenté lui-même, et il nous propose de faire la balade avec lui sous cette forme très graphique, très, mais en gardant toujours le cercle, hein, qui est une forme qu'il apprécie particulièrement. À côté de ce cercle, un tableau de René Princeteau, qui est un peintre libournais, qui fut le maître de Toulouse-Lautrec. Et nous avons dans la collection beaucoup, 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 beaucoup de Princeteau. Il était plus qu'inspiré par le cheval. Il était lui-même excellent cavalier. Et j'ai choisi ce tableau, là aussi très poétique. Ce sont deux cavaliers qui tentent de rentrer à la maison un soir d'orage. Ils sont sur la plage, la mer est déchaînée et les chevaux baissent la tête. On sent le vent qui souffle, le ciel est noir, chargé de nuages. Et toutefois, sur la partie haute à droite, la sphère solaire apparaît. Et là, évidemment, la symbolique est très, très évidente. Donc, après la pluie, le beau temps. Donc, espoir, retour du soleil, retour de la lumière. Et voilà, c'est un nouveau jour qui va se lever. Donc, une petite vue d'ensemble. Donc, on arrive au premier transept, celui de gauche. Et vous retrouvez donc les deux œuvres qui ont servi à la communication de l'exposition, avec au centre en bas donc cette magnifique Vierge qui est italienne du XIVe siècle, fin XIVe, et elle n'est pas très. Je dois avoir une meilleure photo. On va y arriver. C'est pas vrai. Bon. Je ne sais pas si vous arrivez à la... Elle est un peu sombre, là. Donc, c'est évidemment encore extrêmement gothique, hein, dans la forme. C'est un panneau donc, qui présente cet arc archaïque, pour le coup. Un fond d'or qui, chez les Byzantins, symbolise l'immensité du ciel. Et donc, évidemment, c'est la partie dans laquelle la divinité habite. Et c'est donc une icône. Donc c'est vraiment coupé de l'homme, hein. C'est l'image de Dieu qui est présentée de manière un petit peu détachée. Mais ce qui est très beau dans cette œuvre, c'est qu'il y a déjà pas mal d'humanisme qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vie entre la mère et le fils. Il y a un regard qui est très humain. Et là, on voit effectivement l'arrivée donc de cette première renaissance, de cet humanisme qui commence à transparaître dans l'art. Et également, mais alors je m'en excuse, ce n'est pas très visible, mais dans le fond, la partie basse, il y a une première tentative de l'artiste pour créer de la profondeur. Il y a un sol de carreaux, de céramique, et il y a donc quelques lignes de fuite qui se mettent en place, et donc on est en train de quitter la 2D pour entrer dans la troisième dimension, et finalement ce sera... La recherche engagée par les artistes depuis la fin du Moyen-Âge pour nous faire oublier que le tableau, c'est soit un bout de chiffon, soit une planche de bois. Et donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la naissance de l'art occidental avec cette fameuse recherche de la profondeur et donc des plans successifs. Bon, c'est modeste encore, mais on est dans quelque chose qui frémit. Et puis en haut, donc cette œuvre qui s'appelle « Été » de Véronica Jeansens, qui est effectivement une capeline de femme en paille, mais que l'artiste a recouvert de feuilles d'or, 24 carats. Et évidemment, l'objet, c'est pas loin d'un ready-made, peut-être. En tout cas, c'est pas dans l'esprit évidemment de l'artiste, mais on est dans la récupération d'un objet usuel, hein, magnifié complètement par ce plaquage de feuilles d'or. Et du coup, évidemment, l'objet, on ne sait plus si c'est lourd, ça devient métallique, alors on a tout de suite l'idée du lourd, de l'épaisseur. On l'a placé très haut, évidemment, pour que personne n'y touche, mais aussi pour la sacraliser complètement. Et elle devient une auréole, comme en bas, nous avons une vierge auréolée, mais une vierge religieuse. En haut, c'est une auréole pour une femme moderne,
une auréole laïque, profane. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'humanité transparaît aussi dans la Pietà. Enfin, non, pardon, c'est pas une Pietà, c'est une Vierge vraiment à l'enfant. Elle est en train d'allaiter son fils, le Christ. Et c'est assez maladroit. Le Christ tient dans ses deux petites pattes le sein de sa mère, qui est un cercle parfait, enfin une sphère parfaite. Hein, et de manière très goulue, il boit donc au lait de sa mère, au sein de sa mère. Voilà. Et en haut, comment ne pas voir aussi l'extrémité du sein. Enfin voilà, on part dans des concepts un peu plus scabreux. Est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà. Ça c'est le second transept, alors on ne voit pas très bien. C'est une œuvre, pour ce qui concerne la simèse de fond, une œuvre multiple et vraiment complexe de Benoît Maire, qui a fait ses études aux Beaux-Arts à Bordeaux et qui a fait philosophie aussi. Et donc il nous amène toujours sur des terres vraiment, vraiment intellectuelles. Et son travail fait référence à la fois aux premières photographies de planètes qui ont été faites aux alentours de 1870 par un Américain. Et en même temps, il nous parle d'un personnage de la mythologie qui s'appelle Tirésias. Et vous savez que Tirésias a vu Diane, et évidemment, pour avoir vu la divinité, eh bien, il est aveuglé. Et de ce fait, il devient aussi devin. Et il fait donc l'intermédiaire entre les divinités et les humains. Donc on est encore une fois dans le sujet. En parallèle, une Uranie, muse à droite, muse de l'astronomie. Donc nous sommes à nouveau dans l'allégorie. C'est un tableau de Manx. Manx, c'est un artiste allemand du XVIIIe siècle qui est assez rare dans les collections françaises. Et nous avons la chance d'avoir les quatre arts libéraux réalisés par Manx. Il est un des fondateurs du mouvement néoclassique. En parallèle avec Winckelmann, qui était plutôt théoricien, Manx met en pratique du point de vue artistique, donc les préceptes définis par Winckelmann. Uranie tient, et ça fait partie vraiment de ses attributs, un compas, et elle est toujours appuyée à la sphère terrestre. Alors le compas, évidemment, c'est elle qui préside au bon mouvement, j'allais dire, des planètes. Donc il faut que ça tourne rond, sinon on court à la catastrophe. Et puis, elle est toujours en réflexion, évidemment, sur le monde. Qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, qu'est-ce que les humains vont devenir sur cette planète? Donc, des questionnements qui sont d'une actualité frappante. Au centre, c'est-à-dire à la croisée de transept, évidemment, c'est éminemment symbolique, ce magnifique cercle dont Jean-Paul a parlé tout à l'heure, cercle donc de Richard Long, cercle de pierre, et toujours en lien avec des lieux dans lesquels se trouve Richard Long. Ici, c'est en Suisse, il allait faire une exposition et il va se promener, et dans les Alpes, il ramène du marbre. Deux formes, j'allais dire, de pierre, toujours du marbre blanc, au centre, un cercle de pierre ayant roulé dans la rivière, donc des galets, enfin des gros galets. Et puis le cercle extérieur est formé de pierres angulaires, donc qui, elles, n'ont pas connu le roulis de la rivière. Il n'y a rien de plus lourd, de plus solide que ce marbre qui pèse des tonnes, ce grand cercle de 4 mètres de diamètre. Et toutefois, placé à cet endroit-là, à la croisée de transept, et dans cette forme de cercle, il va nous élever. Richard Long est anglais, et là, comment effectivement ne pas évoquer les pierres levées, Stonehenge, qui est quelque chose qui est très, très, très important pour Richard Long. Et donc, voilà, du solide, du concret, de l'humain, qui va nous amener à monter vers le ciel et aller donc vers la divinité. Et puis dans le fond, vous voyez ces trois planètes qui sont une œuvre réalisée donc in situ par Vincent Ganivet, jeune artiste français, et qui travaille à partir de fumigènes, les mêmes fumigènes que vous utilisez quand vous allez au stade et que vous êtes déchaîné car votre équipe préférée est en train de gagner. Donc il
projette, avec un système qui lui est propre, mais pas si compliqué que ça, il projette donc la fumée de fumigène dans un tuyau, puis cette fumée part dans un plastique, et enfin, la fumée se fixe sur le support, retenue, j'allais dire, dans une forme circulaire par un moule en bois. Mais en fait, il n'intervient pas autrement comme ça, en allumant la mèche du fumigène. Et les pigments contenus dans la fumée se déposent sur le support. Et ça donne, vous voyez, c'est absolument inouï, c'est d'une poésie magnifique, et ça donne de la consistance, mais c'est le hasard aussi qui préside à la réalisation de ces cercles. Et donc il y a du volume, hein, je trouve. À droite, une autre Uranie, donc toujours muse de l'astronomie, cette fois-ci du XVIIe siècle, par Jean de Boulogne, artiste semi-français, on va dire, qui réalise les décors pour le palais du Luxembourg. Et ça provient probablement du palais du Luxembourg. Elle tient toujours son compas et elle a le coude posé donc, sur le globe terrestre. Et elle a un sein dégagé. Et là, dans une géométrie parfaite, effectivement, on peut tendre une diagonale et ça va donc du pied et que vous avez dans l'angle inférieur droit. Ça passe donc par le sein. Il y a une autre diagonale dans l'autre sens qui croise le globe et le sein. Enfin voilà, donc c'est très très construit là aussi. Il y a une composition extrêmement, extrêmement réfléchie. Toujours dans l'abside, alors je parlerai moins de l'œuvre de gauche, on a moins de temps, mais à droite, une autre Vierge à l'enfant, et il faut que vous pensiez qu'il y a à peine 50 ans, même probablement moins, entre la première que je vous ai montrée, très byzantine, très archaïque encore, et celle-ci. Là, le message de Giotto est passé, et nous sommes cette fois-ci devant un véritable portrait de femme. C'est plus une icône, même si c'est un panneau, même s'il y a encore un peu d'or dans le fond, dans la partie supérieure. Il y a de la végétation, on la voit peu, mais derrière les personnages, il y a des arbres. Donc, entrée de la nature dans une icône. Et puis, surtout, ce lien affectif entre la mère et l'enfant, tentative de représenter un bébé dans sa réalité, je veux dire presque matérielle, et ce n'est pas si évident. Les bébés sont rares dans les ateliers d'artistes à cette époque, mais encore aujourd'hui, je pense. Mais vraiment, il y a cette humanité hein, entre la mère et le fils. Et le Christ tient dans ses mains un petit oiseau. Vous apercevez les ailes un peu striées. C'est un roitelet. Roitelet qui est le symbole donc, du martyr. Du Christ. Pourquoi ? Parce qu'on raconte que, alors que le Christ est mis en croix, vous savez qu'il a subi l'outrage donc, de la couronne d'épines. Et bien sûr, il souffre et son crâne est attaqué par les épines de la couronne. Et un petit oiseau vient retirer avec son bec une épine du crâne du Christ pour le soulager. Et en effectuant ce geste, il se tache le front d'une goutte de sang du Christ. Et en souvenir de cet acte généreux fait par ce petit oiseau, il est décidé par la divinité que la descendance de cet oiseau porterait désormais ce signe, cette marque perpétuelle, donc ce petit point rouge qui est la caractéristique de cet oiseau. Mais dans le même temps, cet oiseau, c'est aussi le cadeau que l'on faisait pendant tout le Moyen-Âge aux enfants. Un peu comme aujourd'hui vous offrez les lapins nains, les souris, les rats à vos enfants. Eh bien, on offrait dans une petite cage des roitelets. Et vous voyez, on a perdu, là nous sommes au XVe siècle, on a perdu le souvenir que ce petit oiseau était finalement une petite chose banale, un petit animal de compagnie. Et on lui a attribué une symbolique autre, nouvelle, plus chrétienne. Hein. Et à côté, donc parce qu'on ne voulait pas laisser une mère seule avec son enfant, nous avons mis papa. Enfin, bon, là, je ne vais pas me lancer dans des débats théologiques, mais admettons, donc, God, un dessin d'Alain Séchas, qui est donc plutôt dessinateur, bien sûr, et qui travaille avec des feutres assez simples,
Et il fait donc cette tête bonhomme, hein, ce dieu plutôt sympa, barbu, un peu Père Noël, voilà, dans les nuages. Une image tout à fait idyllique qui correspondait assez bien à cette Vierge à l'enfant, là aussi, où règne l'amour entre la mère et le fils. Voilà. Voyez l'oiseau, peut-être dans un meilleur défi. Oh. Tout ça parce que j'utilise ma main droite, c'est ridicule. De ces chasses, vous voyez aussi au centre, voilà, il y a la flèche, donc un autre dessin qui nous a bien amusés. Donc c'est ces chasses. Hein, Alain va jouer sur son nom de famille, ces chats, et donc le chat devient le personnage qui va représenter à la fois l'artiste même, mais aussi qui va permettre à l'artiste de raconter donc, toutes les histoires qu'il veut. Et le chat est ici en train de regarder dans une lorgnette, dans une lunette astronomique, la lune, comme nous faisons parfois les jours de pleine lune, on s'amuse à regarder les yeux, le nez, la bouche hein, de la lune. Sauf que là, le chat est sûrement des idées un petit peu plus sexuelles, et dans la lune, il voit une paire de seins extrêmement développés. Et à côté, une toute petite chose, un petit dessin du XVIIIe siècle, issu de la collection, qui force le public à être voyeur. C'est tout petit, c'est circulaire, et donc il faut s'approcher, il faut mettre le nez dessus, et donc vous regardez à travers le trou de la serrure pour voir là aussi une scène d'un érotisme torride, un couple en train d'en être au préliminaire. Donc toujours ces magnifiques œuvres de Vincent Ganivet qui prennent un volume extraordinaire dans la nef. J'ai fini. Je voulais conclure, la photo n'est pas très bonne, mais parce que ça a été le hasard. Et là, on est à la fois dans du concret, mais aussi dans de l'utopie. Enfin, ça dépasse l'entendement, car vous apercevez peut-être, venant se superposer au cercle jaune, la lumière qui provient d'un vitrail qui se trouve sur la façade occidentale donc de la chapelle. Et comme nous nous approchons du 21 décembre, donc du changement de saison, eh bien, le soleil vient frapper le vitrail et provoque donc une planète supplémentaire. Et vous voyez que même le ciel donc, nous aide et vient renforcer encore donc, notre travail, pauvre travail de conservateur et de faiseur d'exposition. Je vous remercie.